sont des musiciens que j'ai rencontrés, Deb et Jyoti Shankar Roy. Ce sont donc, ils ont un nom de un duo en Inde qui s'appelle Violin Brothers. En fait, ils viennent de Calcutta, de grands musiciens, en fait, deux frères violonistes qui vivent à Calcutta depuis de nombreuses années, qui ont travaillé avec Satyajit Ray. Satyajit Ray, c'est un des grands réalisateurs de films d'auteur à Calcutta. Il y a une fondation là-bas. Ils ont travaillé avec des grands maîtres comme Shankar. Ils ont vraiment été ils ont accompagné de grands, grands artistes. Petite pièce, et à chaque fois, ils vont vous dire un petit peu le nom du raga. Donc, le raga, c'est une forme musicale. En Inde, le raga, c'est ce qui charme, ce qui plaît, ce qui touche l'âme. Et donc, il y a des modes qui sont liés aux sentiments, aux heures de la journée. Et donc, ils vont faire différentes petites pièces comme ça. Et à chaque fois, ils vont vous expliquer aussi le tal. Le tal, c'est le rythme, c'est-à-dire quel rythme ils vont utiliser. Parce qu'en Inde, comme. En Inde, il y a les cycles de vie, les cycles de la mort, etc. Toute leur vie est cyclique et donc la musique fonctionne aussi de cette façon-là. Le rythme est cyclique. Donc voilà. Une première partie d'un raga qui s'appelle jog. C'est un raga qui est ce qu'on appelle un mode pentatonique, c'est-à-dire un mode à 5 notes. Donc ils vont commencer par une alape. Une alape, c'est une introduction lente, sans rythme. Et ensuite, ils vont introduire le rythme avec un tintal. Un tintal, c'est un rythme en 16 temps. Donc il y a 16 temps et à chaque fois on revient au premier temps. Et là, ils vont petit à petit accélérer et donc ils vont faire une composition, une mélodie qui sera dans un tempo rapide. Thank you.